suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel écrin de l'âge d'or de la peinture flamande, peinture du XVIIe siècle, qui met en avant tout le foisonnement artistique des Flandres durant cette période, avec des chefs-d'œuvre de la peinture religieuse, des chefs-d'œuvre de la peinture mythologique et également des chefs-d'œuvre de peinture représentant des thématiques animalières. Nous avons derrière moi, par exemple, un des artistes phares de cette période, Pierre-Paul Rubens, avec son Ganymède ici enlevé par Jupiter. Nous avons pas seulement des œuvres qui ont été conçues par des artistes qui ont fait carrière dans les Flandres, comme Rubens, mais bon, ceci dit, Rubens a travaillé également en Europe, mais nous avons également des chefs-d'œuvre d'artistes qui ont fait la carrière à Rome, comme cette toile ici représentant le triomphe de Silène par Karel Philips Spierens, qui était un artiste flamand qui a fait carrière à Rome aux côtés du peintre de la délectation intellectuelle Nicolas Poussin.